Sur les marchés de la Côte Basque, on ne trouve pas que du jambon de Bayonne ou du piment d'Espelette. L'autre star du coin, c'est un fromage de brebis, l'Osso Irati. Il est puissant en bouche, il a un très bon retour, c'est comme un vin en fin de compte. Hein. Il est très bon le fromage de brebis. C'est le Pays Basque, c'est le Pays Basque qu'on aime bien. Produit dans une zone géographique bien définie, ce fromage de brebis basco-béarnais doit son nom à la vallée d'Osso, côté Béarn, et la forêt d'Irati, côté Pays Basque. Chaque année, on en produit près de 4000 tonnes pour le plus grand plaisir des gourmets, comme Cédric Béchade, chef cuisinier. Ça baignate, en forme. Ouais. Je vais te prendre un osso irati affiné. Bon, déjà, avec les arômes qu'on sent, déjà. C'est fleuri, c'est herbacé. Et ça prend tout mon palais, mais il n'y a pas d'agressivité. C'est un produit qui a été réalisé authentiquement. On sent que les brebis, elles sont aux anges. Primé pour son goût exceptionnel, l'Osso Irati a obtenu l'appellation d'origine contrôlée en 1980 et l'AOP en 96. Depuis, on distingue deux types de fromages. Celui réalisé par des laiteries, qui présente une tête de brebis de profil, et l'autre fabriqué par des producteurs fermiers. Pour reconnaître un fromage fermier en Osso Irati, c'est une tête de brebis qui est de face et il y a un petit F qui est marqué sur le fromage. Qu'il soit de laiterie ou bien fermier, le goût du fromage évolue en fonction des saisons. Il est plus équilibré en hiver, il est plus fruité au printemps. Et après, sur les fromages estifs, alors là, c'est... En fin de compte, c'est que les bêtes, elles ont tellement de choses intéressantes à manger qu'elles se font plaisir. Et du coup, c'est des saveurs qui partent un peu dans tous les sens. Il y a des saveurs de réglisse, il y a des saveurs de serpolet. C'est vraiment la flore qu'elles trouvent à la montagne. Bye, Kiwi. Allez. En transhumance dans les montagnes tout l'été, Dion Bonnet, jeune berger, passe son hiver à Bardos, une petite commune à 30 km de Bayonne. Et parmi les trois espèces de brebis autorisées par l'AOC, il a choisi une race ancienne, la manèche à tête noire. C'est la race la plus rustique et elle supporte très bien les conditions climatiques d'ici, c'est-à-dire beaucoup de pluie, un hiver pas très très froid, c'est-à-dire que les températures descendent rarement en dessous de zéro. Vraiment très rarement, cet hiver on a eu deux gelées par exemple. Et tant qu'elles ont de l'herbe à volonté, il n'y a aucun souci. De l'herbe à volonté et surtout bien grasse, arrosée par les 1300 mm de pluie qui tombent chaque année sur les collines des Pyrénées-Atlantiques, soit autant que dans le Finistère. Et avec cette alimentation riche, les brebis produisent du bon lait de décembre à juin. Soucieux de respecter la tradition, Dion fait la traite à la main. Ouais, j'aime bien commencer la journée comme ça, quoi. Le fait de traire à la main, c'est pour moi, tu connais un petit peu plus tes bêtes. Tu vois le boulot qui avance, tes brebis, du coup, tu les manipules tous les jours. Les brebis sont plus calmes, elles restent plus sages pendant la traite. Du coup, on fait moins de quantité, mais vu que la qualité est là, c'est valorisant autant pour le produit que pour la personne qui le fait. Pour produire un fromage, Dion a besoin de 6 litres de lait. Mais le climat joue parfois sur le rendement, il faut alors s'adapter. Par exemple, cette semaine, il a fait très mauvais, beaucoup de pluie, du vent froid qui a fait tomber la température. Et du coup, on a perdu pas mal de lait. En fait, elles vont utiliser leur énergie à combattre l'humidité et le froid. Et du coup, cette énergie-là ne va pas être utilisée à la fabrication de... Enfin, à la lactation, quoi. Une fois la traite terminée, Dion fait chauffer le lait dans un grand chaudron pour récupérer uniquement le caillé. Il fait ensuite de beaux fromages de 3 kilos. Et du coup, là, je suis content. Normalement, ça fera des fromages de qualité. Là, je mets les fromages que j'ai fait cette semaine. Et du coup, ceux-là, ils vont s'affiner au minimum 3 mois. Et plus il sera affiné, et plus le goût ressortira, quoi. J'essaye d'avoir une hygrométrie maximum, et avec une température qui va de 10 degrés à 13 degrés, pour avoir un affinage le plus long possible, pour que la matière, en fait, ne sèche pas d'un coup, quoi. Pour conserver votre Osso Irati dans de bonnes conditions, placez-le dans un torchon en bas du réfrigérateur. Délicieux, seul ou avec du pain, l'Osso Irati se retrouve aussi en cuisine. On peut l'utiliser quand il est affiné longuement, c'est-à-dire 10 à 12 mois, l'utiliser pour le cuisiner. Avec ce fromage, notre chef réalise un délicieux croque-monsieur. On l'appelle du coup un croque-basque. Entre deux tranches de pain, il a mis une compotée de poireaux, du jambon, de l'Osso Irati, le tout simplement toasté à la poêle. Donc là, je râpe le fromage Osso Irati
sur le croque-monsieur et puis je vais terminer de le faire gratiner au four une bonne minute à 180 degrés. Plus étonnant, avec l'osso irati, Cédric réalise un gâteau basque salé. Une bonne idée pour un apéritif original. Et en fin de bouche, on retrouve des saveurs un peu atténuées, mais beaucoup plus homogènes que quand on déguste le fromage en direct. À l'image d'un parmesan, l'osso irati se marie aussi très bien avec des légumes. Sur un carpaccio de betterave, le chef dépose une compotée d'échalotes au vinaigre. Et là, je vais faire comme une petite neige de fromage osso irati sur la betterave. Ça fait ressortir un peu la sucrosité de la betterave. Et là, on râpe un fromage de osso irati affiné 12 mois. Donc, il y a ce côté corsé et ce côté douceur qui vont bien s'équilibrer. Et la réduction d'échalotes va donner de la vivacité. Cuisiné ou bien dégusté nature, l'osso irati offre une palette de parfums et de saveurs qui fait des Pyrénées-Atlantiques l'une des plus belles régions fromagères de France.